Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, la où les bandes de sang sous ses paupières le pas de son sommeil nocturne, le bruit de la rue lui parvient de très loin. Donner de la voix. Sur les un chien aboie. Les éditions Sabine Vespizer. Un enfant pleure ou bien derrière soi. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Leur banlieue est flou, glacée et la vapeur se mêle en un brouillard poussiéreux aveuglant. J'ai beaucoup changé moi aussi. C'est-à-dire qu'on apprend son métier en le faisant. Quand j'ai commencé dans l'édition chez Actes Sud, je pensais que le métier d'éditeur, c'était de dire aux auteurs, oui, alors là, ton chapitre, ton paragraphe, ton personnage, il faut changer, enfin, etc. Je ne comprenais pas intimement ce que disaient les grands éditeurs que j'admirais déjà à l'époque, Jérôme Lindon, Christian Bourgois, Paul, Tchaïkovski, Laurence, un texte, ça se prend ou ça se laisse. 35 ans plus tard, j'en suis là. Le texte, ça se prend, ça se laisse. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui garante sa forme. C'est Claire Kigan qui donne des cours d'écriture et qui fait ça admirablement bien et qui dit un écrivain, c'est quelqu'un qui est garant de sa phrase, de son paragraphe, de son chapitre et de sa structure. Sinon, c'est pas un écrivain. Voilà. Mais j'en suis là maintenant. Mais après, évidemment, je lis les textes qu'on m'envoie, la relation de confiance s'installe et très souvent, et avec la plupart des auteurs, je lis en feuilleton, parce que c'est très solitaire, là, l'aventure de l'écriture. Et donc, comme en effet, la confiance est installée, ils me disent, tiens, j'en suis là, qu'est-ce qu'on pense? Ou juste, ils sont contents que je sache où ils sont, c'est tout. Enfin, c'est juste, voilà, c'est une présence discrète, bienveillante, c'est tout. Et après, évidemment, si je vois des choses totalement incohérentes, ou si je me sens qu'un chapitre est totalement raté, je ne vais pas me priver de leur dire. Mais ils l'attendent d'une certaine manière. Vous voyez, c'est cette histoire que raconte Assouline, Pierre Assouline, dans sa biographie de Gaston Gallimard. Un visiteur entre dans le bureau de Gaston Gallimard et voit Gaston Gallimard annoter en rouge un texte. Et il dit, bah, l'auteur, vous n'allez pas le garder longtemps, dit le visiteur. Et Gaston Gallimard impérial lui répond, c'est Jean Giono. Au revoir, merci.